Vous êtes-vous déjà réveillé un matin sans savoir ce qu'il s'était passé la veille ? Vous êtes-vous déjà réveillé un matin sans savoir qui vous êtes ? Sans savoir ce que vous faisiez à cet endroit ? Sans même savoir où vous allez ? Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant quel était votre but dans la vie ? Alors je parle bien entendu pas des lendemains de cuite le lendemain du jour de l'an, hein, ça on est d'accord que vous oubliez. Je parle bien entendu d'une situation réelle. Une situation peut-être complètement délire, complètement loufoque. Peut-être vous êtes déjà réveillé un matin, vous avez l'impression d'être suivi ou je sais pas. Enfin, bref. Eh bien c'est un petit peu la situation qu'on va vivre dans le jeu RE77. RE77, Resident Evil, Resident Evil 7, vous voyez un petit peu le rapport? Donc le jeu est grandement inspiré de la démo de Silent Hill qu'il y a eu un petit moment sur PS4. Et ça a l'air d'être pas mal. Et voyez, en fait, on se réveille dans une chambre, on sait pas qui on est, on sait pas où on est, on sait pas ce qu'on fait, mon vieux, mais on y va, et on va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Alors aussi, je pense jamais à vous le dire, mais vous avez un petit lien dans la description pour acheter des jeux moins chers. Et en passant par ce lien, eh ben ça m'aide à racheter des nouveaux jeux et à en faire sur la chaîne. Vous pouvez aller y faire un petit tour, ça mange pas de pain et c'est pas cher. Bon, celui-là, il est gratuit, on s'en fout, mais bon, voilà. Allez, vas-y, on sort de là, c'est parti. Le chant des cigales, est-ce un rêve? Est-ce une réalité qu'on vit là? Princess. Ok, d'accord. Est-ce qu'on rentre dans la chambre de la princesse? Ah bah non, c'est fermé. Alors est-ce un rêve? Est-ce une réalité qu'on vit là? On n'en sait rien. Donc apparemment, c'est comme la démo de Silent Hill pour PS4 pour ceux qui connaissent. Il y a pas eu un bruit chelou là? Une sorte de pendule? Ça commence déjà, mon vieux. Ça me fait bader, ça y est. Voilà, donc ouais. Ça va être pareil. On va descendre une porte et à chaque fois, on va faire le tour de la même pièce. Et il va se passer des trucs de malade, j'en suis sûr. J'en suis persuadé. Allez, vas-y. En tout cas, c'est super réaliste le jeu. C'est un truc de malade. Franchement. Très bien. Donc, je pense qu'aussi, il va falloir bien observer ce qui va se passer. Parce que ça, ça va être un truc de malade. Je pense qu'il va se passer pas mal de trucs. Ça se trouve, elle est ouverte maintenant, la porte. Non? Non, toujours pas. De toute façon, c'est sûr, elle va s'ouvrir au bout d'un moment. À force de faire des tours, t'inquiète. Je l'avais torché, la démo de Silent Hill. Je sais comment ça se passe. Ouh, pas de lumière? Ah, quand même. D'accord. Ok. Allez, on est reparti pour un petit tour. Troisième tour. Déjà, vous voyez, fin observateur que je peux vous dire déjà un truc. Ça se trouve, vous ne l'avez même pas vu. Qu'est-ce qui a changé là, tout de suite maintenant là? Qu'est-ce qui a changé? Moi, je vais vous le dire ce qui a changé. Eh ben, la boule par terre, mon vieux. Tu vois? Regarde. Eh ouais, elle était pas rouge tout à l'heure. Donc, ça se trouve, maintenant, peut-être que c'est ouvert ici. Eh ben non. Mais n'empêche qu'elle était pas rouge, cette boule. Elle était verte ou jaune, je crois. Ok, on avance. Tranquillement. Tranquille, tranquille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tellement évident? D'accord. Bien entendu, c'est fermé. Bien entendu, il va falloir faire demi-tour. Et bien entendu, il y a un truc qui va nous sauter sur la gueule. Je sais pas pourquoi, je m'y attends. Alors, j'ai tout de même le casque relativement... relativement à fond sur les oreilles. Faites de même si vous voulez vous plonger dans l'ambiance avec moi. C'est quoi ça? D'accord. D'accord. Écoutez. On va rentrer ici. Non? D'accord. Est-ce qu'on peut rentrer? Y'a quelqu'un? J'entendais pas. Oh. Je vais faire une crise cardiaque moi là-dessus, je vous le dis direct. Hein. Je vais faire une crise cardiaque. Moi, ce qui me faisait bader sur Silent Hill, c'était l'espèce de dame blanche là qui vous sautait dessus là. Oh putain. Oh, c'est quoi ça? Elle était pas. Elle était comme ça la fenêtre? Écoutez, on se casse. Vas-y, vas-y. On avance, on se casse. On se casse de là, c'est ouvert? Non! C'est fermé. D'accord. Peut-être il y a un truc à faire avec ça. Peut-être. Je sais pas. J'en sais rien. Comment ça fait bader quoi en tout cas. C'est un truc de malade. Et ça? Non, c'est rien la croix. D'accord. À mon avis, ça se passe avec la porte, avec la boule. Oh, c'est quoi? C'était là ça tout à l'heure? Cette espèce de peau de banane là? D'accord. Oh, je peux la prendre. D'accord, j'avais pas vu. Vas-y, donne-moi la boule. Eh, je l'ai pris, là. Hein. Ça y est? Putain. Ça devient vachement noir, cette affaire, mon vieux. Je vois plus rien.
Press F to toggle flashlight. Tu paries combien? Je vais allumer la lampe, il y a un truc qui va apparaître. Ah non. Ah non. Par contre, il n'y avait pas un nounours tout à l'heure, tu vois. Ok, d'accord, écoutez. C'est fermé. D'accord. On se casse de là. Comment qu'on voit rien, mon vieux? C'est sombre, mais c'est un truc de malade. D'accord, c'est fermé. Ok, très bien. Attends, c'est un truc de fou, toi, tu vois pas? 2 mètres devant le bout de ton nez. Comment tu veux... Ah! C'est quoi ça? Oh putain! Désolé. Excusez-moi les oreilles. Ça m'a... putain, regardez ça. Regardez ça, comment que ça m'a filé des frissons. Je te jure, un jour, je vais faire une crise cardiaque, moi. Faut que j'arrête. Eh, je sais pas si je vais pouvoir aller au bout, moi. Je vous le dis direct, hein. Comment ça fait bader? C'est ouvert. Il y a quelqu'un qui m'a acheté la boule. C'est quoi ce délire? Ah! Ok, d'accord. Ça s'est rallumé. Tranquille. Non, je vais pas là-bas, je vais là-bas. Je pense qu'on peut y aller maintenant. C'est ouvert. Ah yes. Ah d'accord. D'accord, d'accord, c'est un nouvel endroit. Plus ou moins. Ah non. Non, pas du tout. C'est qu'en fait Oh putain, ça pleut. Tout à l'heure, il y a un truc qui va sauter par la fenêtre là, tu vas voir. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut passer ici? Non, c'est fermé, d'accord. On continue tranquillement. Ça, je suis sûr, ça doit avoir une importance, l'heure. Ouais, ouais, il y avait un truc comme ça dans la démo de Silent Hill. Regardez ça, je pense qu'on va interagir avec. 3h25. Ok, on refait un tour, tranquille. Eh, comment qu'il fait bader le jeu, c'est un truc de malade. Je crois bien que je vais vous casser les oreilles, quoi. C'est un truc de fou. Oh, c'était quoi, ça? Oh, il n'y avait pas une marque comme ça. Et voyez, c'est bizarre, la boule, elle change de couleur à chaque fois. Je vais voir s'il y a moyen d'interagir encore avec ça. Non, d'accord. Pas d'interaction à faire. Ok, on refait un tour tranquillement. C'est bizarre, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux trucs. Ça y était, ça? Oh non, non. Ça, c'est le genre de truc qui me fait bader. Non, non. Non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Pas ça. Laissez-moi me casser de là. Je me casse. Comment que c'est badant? Attendez, vous croyez que c'est ouvert, là? Ça va? Ça va, ma petite? On sort? Ouh, moi, j'ai pas envie d'y aller, franchement. Franchement, je vous le dis direct, j'ai pas envie d'y aller. Cash, j'ai pas envie d'y aller. Regardez, elle a fait plutôt des jolis dessins. Hein? C'est quand même pas trop mal. Attendez, il y a un truc qui va me sauter dessus à la fenêtre. Putain, et ça, je sais pas pourquoi je sens le screamer à la fenêtre. Pourquoi? J'en sais rien. Mais je le sens. D'accord, 3h27 à peu près. 3h28. Ok, on va refaire un tour pour voir si l'heure change. Vas-y, on refait un tour tranquille. Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Eh ben, c'est rien, mon vieux. On refait un tour. En espérant qu'elle va se calmer, la petite, là. Qu'elle pleure pas trop. Parce que, honnêtement, elle me fait bader un petit peu, tu vois. Ok, c'est toujours fermé. D'accord. La fenêtre, j'ai pas envie de passer à côté. Ah, 3h29. Ouais, 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 ouais. Je pense qu'on va refaire un tour jusqu'à 3h30. Tranquillement. Bah, j'espère qu'il va pas nous faire faire des tours jusqu'à 5h. Hein. Alors là, mon vieux, je suis en train de faire des tours dans le vent. Là, je comprends pas, là. Là, je suis en train de faire des tours. Je comprends pas ce qui se passe, là. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être faut attendre 3h30, hein. Peut-être. Je sais pas. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On est reparti pour un tour, tranquillement. Putain, mais attends. Ouh, mais regardez. Y a pas des dessins qui ont été déchirés, là? Ah, regardez, ils ont été retournés, les dessins et tout. Ah! Oh la tarée, mon vieux! Ok, donc du coup, je pense que c'était une courte démo. Alors, je sais pas si j'ai fini le jeu ou si j'ai pas fini le jeu. Ça se trouve, ça devait se finir comme ça. Hein. Ou ça se trouve, pas du tout, j'en sais rien en fait. Mais en tout cas, c'est un truc de malade comment qu'il fout les boules le jeu. Hein. C'est un truc de fou. Et moi, je vous le dis direct, c'est pas un jeu pour les fragiles. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, pourquoi pas la partager. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis, ciao tout le monde! Bye!